Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un qui nous prend en marche maintenant. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous encore en ce soir. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur la vie de quelqu'un qui nous suit. Nous sommes en train de parler des choses du surnaturel. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet important. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre contrôle de ce moment. Merci de nous diriger. Merci de parler encore au travers de nous. Merci de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour toi qui me prends en marche maintenant. Je vais te demander de partager cette vidéo, d'inviter quelqu'un à nous suivre. Amen. Shalom à tous ceux qui nous prennent maintenant. Shalom, Leila Kwadio Évangéliste. Que l'Éternel te bénisse depuis ta position. Shalom, Yoaël. Shalom, Jenny. Shalom, Audrey. Shalom, Precious Elisha. Shalom, Liliane Gemdje depuis le Tchad. Shalom à tous ceux qui nous regardent maintenant. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci de partager la vidéo. Merci de mettre les cœurs. Merci de mettre les commentaires. Et merci de liker. Voilà. Si c'est la première fois que tu suis une vidéo sur Domination Optimale, merci aussi de t'abonner. Merci de rejoindre la page YouTube Révérend Prophète Herman Kwadio et aussi de t'abonner. Nous allons parler d'un sujet très, très important, très intéressant. Le sujet me plaît bien. Décoder le futur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi décoder le futur? Nous parlons de décoder le futur. Amen. Nous sommes toujours dans le grand sujet, le pouvoir de l'esprit. Nous sommes toujours dans le grand sujet, le pouvoir de l'esprit. Nous avons fait le pouvoir de l'esprit 1, 2, 3. Nous avons fait le sixième sens. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire maintenant entre dans la manifestation du pouvoir de l'esprit. OK? Si tu n'as pas encore suivi les autres vidéos, priez de faire recours. Voilà. Au pouvoir de l'esprit 1, 2, 3 sur la même page Domination Optimale ou aussi sur YouTube, tu pourras voir toutes ces vidéos-là parce que ça va t'aider à pouvoir faire ce que nous sommes en train de dire maintenant. Je veux rappeler à tous les hommes et à toutes les femmes du surnaturel, nous avons rendez-vous à 0h30 minutes. Voilà, nous avons rendez-vous aujourd'hui à 0h30 minutes. Vous savez déjà comment ça se passe. Chaque 2 semaines, nous nous connectons. Chaque 2 semaines, nous avons des moments de prière. Donc, nous avons rendez-vous à 0h30 minutes tout à l'heure. 0h30 minutes. Bien, nous parlons du futur. Quelqu'un peut dire avec moi, décoder le futur. Le futur, nous allons aller sur une définition déjà tout simple du futur. C'est quelque chose qui appartient à l'avenir. D'accord? Quand on dit le futur, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir. Là, je suis en France et il est 16h12 minutes, 18h12 minutes en France. D'accord? 18h15, c'est le futur. 18h30, c'est le futur. Donc, quand on parle de futur, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir. L'événement qui arrive après le présent entre dans le cadre du futur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 18h13 au niveau de la France, du pays où tu me regardes, il y a ton heure. 5 minutes après, nous sommes dans le futur. D'accord? 5 minutes après, nous sommes dans le futur. 10 minutes après, nous sommes dans le futur. 1 heure après, nous sommes dans le futur. Donc, retenez que quand on parle du futur, il s'agit d'événements après le présent. Ce qui appartient au monde de l'avenir. OK. Vous savez, aujourd'hui, on va se demander quel est donc l'intérêt pour moi de chercher à connaître ou à savoir ce que c'est le futur. C'est quoi l'intérêt de connaître le futur? Regardez bien, sur toutes les chaînes de télévision au monde qui existent, je vais dire souvent à partir de 20 heures, il y a ce qu'on appelle la météo. La météo, les scientifiques étudient le temps pour nous dire quel temps il va faire demain. Donc, on te dira, demain à 13h, voici la température. Demain à 20h, voici la température. Et maintenant même, la météo est tellement développée que ça va beaucoup plus loin. Ils sont capables même de nous dire, de prévoir le temps sur une semaine. Est-ce que ça te fait du bien de savoir le temps de demain ou pas?
Quelle est la question? Est-ce que c'est important pour toi de savoir que demain il va faire chaud? Est-ce que c'est important pour toi de savoir que demain il fera froid? Pourquoi? Parce que tu te rends compte que la notion du temps que tu as, ce que tu sais de ce qui va se passer demain, te permet de préparer. Donc, demain il va faire chaud, je prépare des vêtements chauds. D'accord? Demain il va faire froid, je m'habillerai en conséquence. Donc, ce que j'ai comme notion du futur me permet de mieux me préparer. On y arrivera tout à l'heure. Il y a d'autres choses. Par exemple, les sismologues sont capables de nous dire il y aura un tremblement de terre à telle date, à telle période. Du coup, on va dire évacuer les gens. Ils sont capables de nous dire qu'il y aura un cyclone. Ouais, il y a une tempête qui est prévue à telle heure, à tel moment. À partir de cet instant, on prend des précautions. Un avion qui doit décoller de la France vers les États-Unis, 9 heures de vol. On m'a dit, les météorologues ont étudié pour dire que oui, c'est bon, l'avion peut décoller. Parce que quand on a étudié le temps, il n'y aura pas de souci. Mais souvent, on peut empêcher un avion de décoller. Pourquoi? Parce que la tempête, le vent, la température, bien ce que nous avons observé fait que si l'avion décolle, l'avion ne pourra pas arriver à temps. L'avion ne pourra pas arriver. Donc, ils étudient d'abord le temps, ils étudient l'avenir pour permettre à un avion de décoller, pour permettre à un bateau d'aller sur la mer. Quand tu es au volant de ta voiture, vous allez vous rendre compte que pendant que tu prends la route, il y a des panneaux de signalisation. Le panneau va te dire à 300 mètres, virage. À 500 mètres, virage très dangereux. Stop, à tel endroit, il y a un pont. Donc, les panneaux de signalisation te permettent de savoir ce qui se passe devant toi. Donc, vous comprenez que l'homme même, l'homme naturel, a compris le sens de connaître ce qui est devant nous, de ce qui arrivera après. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que je peux voir tes cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les likes? C'est un sujet assez intéressant. Tu vas comprendre beaucoup de choses ce soir. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'homme naturel a compris l'essentiel, a compris qu'il est important pour nous de savoir ce qui se passe devant nous. Et aujourd'hui, on va te dire que si tu prends telle autoroute, il y a un embouteillage devant toi. Ça te permet de choisir une autre voie pour ne pas être en retard. Donc, savoir ce qui se passe devant moi m'aide. Savoir ce qui se passe hors de la portée de ma vue physique m'aide à pouvoir prendre une décision. Connaître le futur t'aide à prendre une décision. Généralement, on dira que, on dit, ce que je fais aujourd'hui influence mon futur. OK? Mais moi, je dis, ce que je sais de mon futur me permet d'agir aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un voit la différence. Ce que on dit souvent, ton présent influence le futur. Mais avec l'étude que nous allons faire, nous allons comprendre que ce que je sais du futur influence ma manière d'agir maintenant. Donc, si on me dit, par exemple, que demain, il va faire chaud, je prépare aujourd'hui mes vêtements. Ce n'est pas ce que je prépare aujourd'hui qui va influencer le temps de demain. Mais c'est le temps de demain qui va me permettre de me préparer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien, allons-y dans la parole. On a tellement de versets à lire et vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Premier verset que nous allons lire, Matthieu le chapitre 2, le verset 16. Quelqu'un écrit avec moi, Matthieu chapitre 2, le verset 16. Laissez-moi le trouver. La référence. Matthieu chapitre 2, le verset 16. Voilà, je veux voir les cœurs, je veux voir les commentaires, je veux voir les likes, je veux voir les partages. Je veux que tu invites quelqu'un à venir suivre parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Matthieu chapitre 2, verset 16. Nous sommes dans quel contexte dans Matthieu chapitre 2? Nous sommes dans le contexte où les mages quittent l'Orient, arrivent à Jérusalem et ils disent à Hérode et tout le reste, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit, Hérode donc est troublé par cette parole et tout Jérusalem avec lui
Pourquoi? Parce que les mages viennent de donner une information que le roi des Juifs vient de naître. D'accord? Verset 16. Hérode donc va leur dire, allez-y voir où est le petit enfant. Quand vous aurez l'information, venez me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Je reprends. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Hérode se met dans une grande colère. Amen. Et Hérode envoie tuer tous les enfants de 0 à 2 ans qui sont à Bethléem. Les enfants de 0 à 2 ans qui sont à Bethléem. D'accord. Bien. L'information, Hérode l'a quand il est à Jérusalem. Les mages qui sont venus pour adorer Jésus sont à Jérusalem. Mais la question que je vais te poser, pourquoi est-ce que c'est à Bethléem qu'on s'en va tuer les enfants de 0 à 2 ans? Pourquoi est-ce que Hérode n'a pas envoyé ses soldats tuer des enfants qui sont à Nazareth? Pourquoi Hérode n'a pas envoyé les soldats tuer les enfants de 0 à 2 ans qui sont à Jéricho? Pourquoi est-ce qu'on ne tue pas les enfants de 0 à 2 ans qui sont même à Jérusalem, et puis il est conduit vers un endroit précis. La Bible dit Bethléem et tous les environs de Bethléem, tuez-moi tous les enfants de 0 à 2 ans qui habitent dans ce secteur-là. Selon le passage, la Bible dit, il dit 0 à 2 ans parce qu'en fonction de ce que les mages vont lui dire. Mais pour trouver le lieu, pour trouver l'endroit, c'est dans les livres des prophètes qu'ils vont trouver. Donc, les soldats de Hérode ne sont pas allés par hasard à Bethléem. Je parle à quelqu'un, je parle de décoder le futur. Si tu comprends cela, tu vas éviter beaucoup de situations. Lisons un deuxième passage. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont à Bethléem. Lisons Michée, le chapitre 5. Quelqu'un peut marquer Michée, chapitre 5. Michée, le chapitre 5, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut mettre les commentaires? Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Michée, le chapitre 5. Verset 1. Vous allez comprendre. Hein? Allons-y. On va aller un peu vite parce que je veux finir la partie qui est prévue aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut inviter son frère, sa sœur à venir suivre? Michée chapitre 5, verset 1. Il est écrit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De Bethléem, la prophétie dit, depuis le temps de Michée, une prophétie annonce que de Bethléem sortira le roi qui va dominer sur tout Israël. Donc, quand Hérode entend que le roi des Juifs vient de naître, il va consulter les prophéties. Qu'est-ce qui avait été annoncé par rapport à cela? Et les prophéties vont montrer à Hérode que le lieu qui a été ciblé, c'est que c'est à Bethléem. C'est de Bethléem doit sortir le roi d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Donc, comme la prophétie a annoncé que c'est de Bethléem sortira le roi d'Israël, il dit, allons donc à Bethléem, allez tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'en tuant tous les enfants de 0 à 2 ans, c'est sûr que le futur roi d'Israël sera atteint. C'est sûr qu'on pourra tuer le futur roi d'Israël. Amen. Regardez bien. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Toutes ces familles qui sont là, qui ont eu des bébés de 0 à 2 ans, à leur grande surprise, voici l'armée des Hérodes qui rentre dans leur maison, qui commence à tuer leurs enfants. Ils ne savent pas, tout Bethléem était en deuil. Alléluia. Tout Bethléem était en deuil. Quand vous lisez, la Bible dit, c'était pour que s'accomplisse la prophétie, on a entendu des cris à Rama.
Tout Bethléem était en deuil. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que chaque famille venait de perdre un enfant. La question qu'ils vont se poser, qu'est-ce que j'ai fait à Hérode pour que Hérode vienne tuer mon enfant? Qu'est-ce que j'ai posé comme action? Qu'est-ce que Hérode me veut? Pourquoi? Je ne connais pas Hérode. Hérode ne me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il vient tuer mon enfant? Voici des questions que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que j'ai fait à la sorcellerie pour qu'on m'attaque? Mon petit travail que j'ai eu là, pourquoi est-ce qu'on vient attaquer mon petit travail? Alléluia. En fait, Hérode est descendu à cet endroit-là parce que la prophétie annonçait que le futur roi d'Israël viendrait de ce lieu, viendrait de cet endroit. Donc, des malheurs sont en train de tomber sur des familles. Les familles même ne savent pas pourquoi ça se passe. On ne comprend pas, mais Hérode est en train de tuer tout le monde. La même histoire se produit au temps de Moïse. Quand vous lisez la Bible, il est écrit qu'à un moment donné, Pharaon va prendre une décision pour dire au peuple, aux femmes égyptiennes, à partir d'aujourd'hui, tous les enfants des Hébreux qui vont naître, si c'est une femme, laissez-la vivre. Mais si c'est un homme, tuez le petit garçon. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la décision est prise? C'est par rapport au futur. Quand Pharaon a lu dans les livres, Pharaon a compris que il a été annoncé que le peuple d'Israël sera esclave sur un certain temps, sur 400 ans. Donc, quand il calcule de l'arrivée de Jacob et de ses enfants et qu'il regarde la période dans laquelle ils sont, c'est la période où le peuple d'Israël va sortir de l'esclavage. Le futur lui a dit ça. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Le futur a annoncé. Et donc, pour éviter que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage, ils vont trouver la solution en empêchant leur leader de naître, en empêchant leur leader de vivre. En ce moment précis-là, on dit, un décret est pris. Tous les enfants mâles doivent être exécutés, laisser vivre les femmes. Mais c'était pourquoi? Parce que parmi les enfants mâles qui vont vivre, parmi les garçons qui vont naître, parmi eux va se trouver celui qui va apporter la délivrance à Israël. La prophétie l'a annoncé. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent des difficultés. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de décoder le futur. Tu ne connais pas l'origine. Vous savez, je vous disais la dernière fois, quand on parlait du sixième sens, je vous expliquais que il y a beaucoup de films de science-fiction dans lesquels, en tout cas moi, en tant que surnaturel, je retrouve beaucoup d'enseignements. Il y a un film que nous avons tous aimé, que nous avons tous regardé. Terminator. Est-ce que quelqu'un se souvient de Terminator? C'est un film hautement surnaturel. Amen. Quelqu'un marque avec moi Terminator. Je vais voir ça en commentaire. C'est quoi l'histoire de Terminator? Si tu n'as pas regardé, il y a plein de plateformes de films. Prends et regarde. Tu vas comprendre, décoder le futur dans le film Terminator. Qu'est-ce qui se passe dans Terminator? Numéro 1, je vais parler seulement des deux premiers volets. Numéro 1 de Terminator, nous sommes en 1984. Une femme s'appelle Sarah Connor. Elle se retrouve un matin à être poursuivie par un homme qu'elle ne connaît pas. Écoutez-moi bien, le surnaturel est réel. Les réalisateurs de films connaissent le surnaturel. Sarah se retrouve donc à être poursuivie par un homme qu'elle ne connaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle ne sait pas d'où il vient, mais le monsieur cherche à la tuer. Elle ne comprend pas pourquoi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui la protège. Qui la protège de ce cyborg, de ce robot qui veut la tuer. Et c'est lui qui va lui donner l'explication pour lui dire, en fait, moi, je viens du futur et le robot qui cherche à te tuer vient du futur. Il va lui expliquer cette histoire. En 2030, nous sommes en 1984. L'histoire se déroule en 1984. Il lui dit, en 2030, il y aura une guerre entre les machines et les êtres humains. Et en 2030, la guerre qui va se dérouler, les machines vont perdre la guerre en 2030. Pourquoi? À cause d'un homme qu'on appelle John. Et Sarah lui demande, en quoi ça me concerne cette histoire que tu racontes? Il lui dit, le John en question, c'est toi, ton fils, John Connor. Mais au moment où il est en train de parler avec Sarah, elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Donc, en 2030, il y aura une guerre entre les machines et les êtres humains.
Et les machines, les robots, les ordinateurs vont perdre la guerre parce qu'il y a un qui va créer, qui va soulever la résistance. Et celui qui va soulever la résistance pour les êtres humains s'appelle John Connor. Il est l'enfant d'une certaine Sarah Connor. Écoutez bien, si tu n'as pas regardé le film, va regarder, tu vas bien comprendre décoder le futur. Donc, comme les machines savent qu'ils vont perdre la guerre en 2030 à cause d'un certain John Connor, ils ont pris la décision de venir dans le passé, en 1984, pour empêcher la naissance de ce John Connor-là. Donc, quand vous regardez le film, le robot qui arrive, il tue dans la nuée tous ceux qui s'appellent Sarah Connor. Il ne connaît pas quelle est au juste la Sarah Connor de laquelle va sortir John. Il tue eux tous. Donc, elle est en 1984. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle se retrouve être poursuivie par quelqu'un qui veut la tuer. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un qui veut la tuer là sait que de ses entrailles sortira quelqu'un qui, dans 30 ans, va déranger leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien, nous sommes dans un film de science-fiction, mais comme je vous ai dit, les réalisateurs de la fiction connaissent le surnaturel. Donc, Sarah a des problèmes. De la même manière, une femme peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait aux sorciers et puis ne veulent pas que j'aie un enfant? Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi mon travail ne décolle pas? Je ne suis rien. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, mais pourquoi les sorciers sont tout le temps sur ma tête? En fait, toi, tu te poses les questions parce que tu te dis que c'est aujourd'hui, c'est sur ta forme physique que tu regardes et que tu veux analyser pour comprendre ce qui t'arrive comme situation. Non, c'est ce qui va se passer demain. OK? Donc, les sorciers, les mystiques, les marabouts qui t'attaquent, eux, ils savent que de toi, quand tu vas avoir un enfant, ils connaissent la destinée de ton enfant. Quand ils regardent l'entreprise que tu veux créer, ils savent le résultat que l'entreprise va donner. La vie que tu veux mener, ils savent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, ils viennent aujourd'hui pour t'empêcher d'être ce que tu dois être dans 15 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils viennent, les attaques que tu subis aujourd'hui, en fait, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour t'empêcher d'être ce que tu dois devenir dans 50 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il t'empêche d'avoir des enfants parce que certainement que de tes entrailles sortira quelqu'un qui va déranger leur royaume. Est-ce que je te parle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Donc, en ce moment précis, vous allez voir que ton travail est attaqué. Tu ne peux pas avoir du boulot, mais tu te demandes, mais il y a quoi sur moi? Et puis, je ne peux pas avoir du boulot. Il y a quel souci? Et puis, ma vie n'avance pas. Il y a quel souci? Je ne peux pas me marier. Il y a quel souci? Et puis, à tout moment, les sorciers sont sur moi. Si je me marie, ça fait quoi? Si je travaille, ça fait quoi? Si j'ai un enfant, ça fait quoi? En fait, le problème, ce n'est pas ton mariage aujourd'hui. Mais ils ont décodé le futur et ils ont vu qu'au travers de ce mariage-là, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui va sortir. Alors, ils viennent pour attaquer. Donc, dans le film, comme je vous disais, dans Terminator, nous sommes en 84 et ils reviennent de 2030 pour empêcher cette dame de mettre au monde un enfant parce que cet enfant là-bas l'est dérangé. Est-ce que tu sais l'entreprise que tu vas créer, ce que ça va bouleverser dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu sais comment est-ce que ton mariage va déranger quelque chose dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu sais ce que ton enfant que tu vas mettre au monde va déranger dans le monde des ténèbres? Alléluia. Et regardez l'histoire de tous les grands hommes de Dieu. L'histoire de tous les grands hommes de Dieu, leurs ministères ont été attaqués dès le départ, des difficultés pas possibles. On se pose la question de savoir pourquoi je suis attaqué aujourd'hui. Mais ce n'est pas ton ministère de 2000 qui intéresse quelqu'un. Ce n'est pas ton ministère de 90 qui intéresse. Mais ils savent que dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas avoir une telle influence dans le monde spirituel qu'ils veulent t'empêcher de prospérer dans ton ministère. Donc, les attaques que tu subis aujourd'hui, ce sont des attaques par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et donc, il y a des attaques, il y a des choses autour de toi. Tu te demandes c'est quoi l'origine? L'origine est dans le futur. Est-ce que je peux avancer? Si quelqu'un comprend, est-ce que je peux avancer? Il y a eu un deuxième volet. Je vous ai dit, je vais expliquer deux volets. Et puis, on va revenir dans la Bible. Il y a eu un deuxième volet de ce film-là. Décoder le futur. Quelqu'un dit avec moi, décoder le futur. Le deuxième volet, c'est que dans Terminator 1,
La machine qui est revenue du futur, qui est venue du futur, n'a pas pu tuer Sarah. Si tu n'as pas regardé le film, va regarder, puis tu vas comprendre ce que j'explique maintenant. N'a pas pu tuer Sarah. Donc, Sarah réussit à mettre au monde ce fameux John Connor. OK? Et John Connor a 12 ans, Terminator 2, quand ils reviennent. Donc, l'objectif, c'était d'empêcher que John Connor naisse. Ils n'ont pas pu empêcher ça. Ils reviennent quand John Connor a 12 ans pour venir le tuer. Pourquoi? Parce que la résistance continue en 2030. Il est né. Donc, la machine revient quand il a 12 ans, objectif de venir tuer John Connor. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Cette fois-ci, il a 12 ans. Donc, le sorcier n'a pas pu t'empêcher d'avoir du boulot. Ils ont tout fait. Toi aussi, tu es rentré en prière. Tu as fait tes jeûnes. Tu as fait tes actions prophétiques. Tu as posé tes offrandes. Hop, tu as eu du boulot. Mais leur objectif, c'était de t'empêcher de travailler. Donc, ils n'ont pas pu réussir. Comme en 84, ils n'ont pas pu réussir à empêcher Sarah d'enfanter. Elle a eu son enfant. Donc, ils n'ont pas pu t'empêcher d'avoir des enfants. Tu as fécondé. Ils n'ont pas pu t'empêcher d'avoir du boulot. Tu as eu du boulot. Mais ils reviennent encore des années après pour venir cette fois-ci tuer le travail que tu as eu. Ils reviennent. Ils n'ont pas pu t'empêcher de te marier. Ils vont revenir maintenant bousculer ton mariage. Parce que l'objectif, c'est que tu ne dois pas prendre le chemin que le futur a annoncé. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Alléluia. Et quand moi j'ai parlé un peu avec ma maman, elle va m'expliquer les circonstances de ma naissance. Amen. Moi je ne sais pas qui j'allais être. Mais le surnaturel savait que le 29 avril 2021, je serais en train de parler, de décoder le futur. Il ne faut pas que ces secrets soient dévoilés. Depuis l'enfance, on va m'expliquer combien de fois j'ai failli mourir jusqu'à aujourd'hui. Et tous mes proches ont senti, savent combien de fois on a donné des révélations. Révélé Herman, on t'a vu, tu étais mort. Il y a eu un esprit de mort sur toi. Pourquoi est-ce qu'à tout moment, le diable veut que je meure? C'est parce que devant, il y a quelque chose que je dois faire contre son royaume. Pourquoi est-ce qu'à tout moment, le diable s'oppose à ton mariage? C'est parce que devant, il y a quelque chose que tu dois faire. Pourquoi est-ce que le diable s'oppose à ton travail? C'est parce que devant, il y a quelque chose. Donc, quand il n'a pas pu t'avoir maintenant, il va revenir dans 5 ans. S'il n'a pas pu t'avoir dans 5 ans, il va revenir dans 10 ans. L'objectif, c'est que tu n'atteignes, tu ne sois pas, que tu ne deviennes pas ce que tu dois devenir. Mais toi, tu es ignorant. Donc, toi, tu vis comme ça. Tu ne te prépares pas parce que tu ne connais pas le futur. Eux, ils connaissent le futur. Il y a des enfants qui naissent et puis il y a des vieux qui passent. Oui, il y a des familles où tu es en train de passer avec tes enfants et puis il y a quelqu'un qui s'arrête, qui donne de l'argent à ton enfant. Bébé, tiens! Tu penses qu'il est gentil, mais non, ce n'est pas de la gentillesse. Quand il regarde l'enfant avec les yeux du surnaturel, il a détecté une étoile en l'enfant. Il a détecté une grâce en cet enfant. Vous avez vu qu'il y a des enfants qui avaient des études brillantes, ils étaient bien à l'école, et bien, certaines classes, pouf, c'est comme s'ils ont plongé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Son intelligence a été récupérée. Par qui? Son étoile a été récupérée par qui? Regardez mes jeunes soeurs, mes filles, pendant que vous êtes quelque part, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui fait tout parce qu'il veut avoir des relations sexuelles avec toi, coûte que coûte. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux juste pour coucher avec toi une seule fois. C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il a détecté quelque chose sur toi. Il sait ce que tu vas devenir demain. Il sait ce que tu seras dans quelques années. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, décoder le futur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dieu veut planter le décor du futur. Amen. Regardez, revenons dans la Bible. Nous étions dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 16. Amen. Dans ce passage-là, nous avons vu que Hérode a envoyé au verset 16 des soldats tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. L'objectif, c'était quoi? De tuer Jésus. Parce que les mages lui ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Mais vous connaissez la destinée de Jésus. Ça avait été prophétisé depuis. Donc, l'objectif, quand Hérode envoie ses soldats à Bethléem, l'objectif, c'est de tuer Jésus pour ne pas que ça arrive, pour ne pas que Jésus devienne le sauveur. On ne t'attaque pas pour toi, on ne t'attaque pas pour aujourd'hui. On ne se lève pas contre toi pour aujourd'hui, on se lève contre toi pour ce que tu seras demain. C'est pour ça que je dis, beaucoup de personnes disent, le présent détermine le futur, mais moi, je dis, c'est le futur qui détermine le présent. C'est ce qui va arriver, c'est ce que je sais demain qui détermine mon action d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, lisons la Bible.
Matthieu, revenons dans le livre de Matthieu. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Matthieu, le chapitre 2. J'espère qu'on pourra bloquer où je veux bloquer aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous étions au verset 16 où Hérode est venu tuer tous les enfants. Lisons le verset 13 maintenant. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Quelqu'un dit avec moi, le futur, le futur, le futur, le futur. Alléluia. Ne fais rien sans connaître le futur. Matthieu, chapitre 2, le verset 13. L'homme naturel, son futur est déterminé par aujourd'hui. Mais l'homme surnaturel, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est par rapport au futur qu'il pose ses actions maintenant. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Il est écrit: Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Matthieu chapitre 2, verset 13. Je reprends la lecture. Le surnaturel est versé dans la Bible. Je reprends la lecture. Lorsqu'il fut parti, lorsque les mages qui sont venus faire les offrandes au maître Jésus sont partis, à l'enfant Jésus sont partis, voici, un ange du Seigneur apparaît à Joseph. Il vient faire quoi? Il vient révéler le futur à Joseph. Il lui dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa maman, bouge, quitte Bethléem, va en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode cherchera, c'est le futur, le petit enfant pour le faire périr. Écoutez, quand l'ange finit de donner la vision, Joseph prend sa femme, il prend le petit Jésus tranquillement de nuit, il quitte Bethléem. Il quitte même tout Israël et puis il s'en va en Égypte. Quand l'armée arrive, il tue tous les enfants, sauf celui qui devait mourir, même n'est pas mort. Qu'est-ce qui a sauvé l'enfant Jésus? Un ange est venu révéler à Joseph le futur. Les autres parents qui ont perdu leur enfant, pourquoi les enfants sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas eu la connaissance du futur. Jésus petit n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Joseph a eu la révélation du futur. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, quitte, va en Égypte, reste en Égypte jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera l'enfant pour le tuer. C'est au futur. Donc, le maître Jésus a eu sa vie sauve par le fait que son père Joseph a eu à décoder le futur. S'il ne connaissait pas le futur, il serait à Bethléem et puis le soldat arrivait. Tous les enfants des rois à 2 ans sont morts, sauf celui qui devait mourir. Pourquoi? Parce que son papa a eu le discernement, son papa a réussi à savoir le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pourras éviter des malheurs si tu connais le futur. Tu pourras éviter des difficultés si tu connais le futur. Tu pourras éviter un cataclysme dans le mariage si tu connais le futur. Tu pourras éviter un cataclysme dans ton entreprise si tu connais le futur. Tu pourras éviter des problèmes à ton entreprise, à ta vie, à ta maison, à ta famille si tu connais le futur. Beaucoup de familles ont perdu leur enfant ce jour-là. Mais Joseph et Marie n'ont pas perdu leur enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu le futur. Ils ont su le futur. Je vais amener quelqu'un à partir d'aujourd'hui à désirer décoder le futur. Quand tu t'assois, il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ont baissé de bras, ont quitté la présence de Dieu, sont sorties de l'église à cause des difficultés qu'ils traversaient. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne connaissaient pas le futur.
Pourquoi est-ce que j'ai tenu bon dans le ministère jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que Dieu m'a dit, tu vas parcourir les nations. Parce que Dieu m'a dit dans le futur, voici ce que je vais faire au travail de toi. Voici ce que je vais faire par ton ministère. Voici comment des âmes seront édifiées. De sorte que la difficulté que je vis n'a pas pu me retirer de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je savais ce qui allait se passer devant. Si tu ne connais pas ton futur, si tu ne décodes pas ton futur, tu ne peux pas bien vivre le présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le futur détermine ton présent. Je dis à quelqu'un, décode le futur. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Je vais lire un autre verset. Je pense qu'à partir de cet instant-là, quelqu'un a commencé à comprendre. Je pense que quelqu'un a commencé à comprendre. Le maître Jésus n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Joseph a eu la révélation que Hérode allait venir le détruire, allait venir le tuer. Quelle est la révélation que tu as de demain? Lisons, écris avec moi Genèse chapitre 49, verset 1. Genèse 49, verset 1. Est-ce que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un? On va rentrer dans les mystères tout à l'heure. Genèse 49, verset 1. Genèse 49, verset 1. Je voulais bien expliquer pour que tu comprennes la nécessité pour toi. Pourquoi les scientifiques étudient la météo? Ils vont te donner la météo sur une semaine. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Pose-toi la question. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui... Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Jacob est vieux. Le futur, là, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout est rempli de futur. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Le père, le patriarche Jacob, il appelle les douze. Il dit, « Venez vous asseoir. Bientôt, je vais mourir. Mais asseyez-vous. Je vais vous dire à chacun d'entre vous ce qui vous arrivera dans le futur. » Pourquoi est-ce qu'il était important pour Jacob de faire cette phrase-là? Pourquoi? Pourquoi il était obligé de leur dire? Pourquoi est-ce qu'il veut dire à ses enfants ce qui va arriver dans le futur? Parce qu'il sait que connaître le futur détermine ton présent. Vous connaissez ce passage-là, on ne sera pas besoin de lire Ésaïe chapitre 38. Le prophète Ésaïe entre dans la maison du roi Ézéchias. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, fais tes bagages, fais tes choses parce que tu vas mourir. » C'est le futur, ce n'est pas le présent. Il n'est pas en train de mourir là maintenant. Il lui dit, fais tes choses, fais tes bagages, fais ton testament, arrange les affaires parce que Ézéchias, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. D'accord? Quand Ézéchias entend qu'il va mourir, c'est le futur. La Bible dit, dans le présent, il tourne sa face contre le mur et puis il commence à prier, Rabo Shakada, ô Éternel, souviens-toi, la prière que Ézéchias a eu à faire là. Si on ne lui avait pas dit qu'il allait mourir, il n'allait pas prier. Peut-être qu'il était en train de jouer aux échecs. Peut-être que Ézéchias était en train de s'amuser avec son épouse. Peut-être que Ézéchias était en train de s'amuser avec ses enfants. Si le prophète n'était pas rentré dans sa maison pour lui dire, fais tes affaires, tu vas mourir, il ne serait pas en train de prier. Le temps de prière qu'il a eu, la vie de prière, la minute de prière que Ézéchias a eu à prendre là, c'est parce qu'on venait de lui annoncer son futur. C'est parce qu'on venait de lui dire quelque chose qui va se passer. Regardez. Le présent ne détermine pas le futur. Au contraire, c'est le futur. En tout cas, pour nous, les hommes du surnaturel, c'est le futur qui détermine le présent. La Bible dit, Ézéchias tourne sa face contre le mur. Il commence à prier. Éternel, souviens-toi. Et automatiquement, le prophète revient et dit, lui, j'ajoute 15 ans à ta vie. Est-ce que c'est le présent qui détermine le futur? C'est parce qu'il a su qu'il allait mourir. Il a posé des actions pour changer quelque chose devant. On aura encore le temps de parler de ça. Donc, ainsi bloqué, je vais vous expliquer en quelques minutes l'un des thèmes que je devais traiter plus tard, mais je vais insérer le thème dans ça, dans ce décoder le futur numéro 1. Quand on parle du futur, il y a plusieurs théories. Alléluia. La première théorie, quand on parle du futur, quelqu'un écrit avec moi la réalité parallèle. Écrit avec moi. Théorie de la réalité parallèle. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il nous reste encore 10 minutes. Alléluia. La théorie de la réalité parallèle. Parce que le futur, c'est un mystère.
Le futur, c'est un mystère. En tout cas, celui qui va suivre demain et plutôt jeudi prochain, celui qui va suivre les autres volumes, les autres enseignements sur le futur, ça va te faire du bien. Dans les théories du futur, parce que c'est un mystère le futur, on peut faire des actions pour te permettre de te souvenir de ton passé, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu vois ton futur? Comment on fait pour que tu vois ton futur? Dans le futur, il y a plusieurs théories, mais je vais vous faire étudier deux théories. La première théorie, c'est la théorie de la réalité parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? La théorie de la réalité parallèle stipule que pendant que nous sommes en train de vivre le 29 avril, jeudi 29 avril 2021, le futur, nous savons que c'est quelque chose qui vient dans l'avenir. Mais la théorie de la réalité parallèle nous dit que pendant que tu vis aujourd'hui, 29 avril 2021, 29 avril 2022 est en train de se produire en même temps. Réalité parallèle. 29 avril 2030 est en train de se produire en même temps. Pendant que nous sommes en train de vivre le 29 avril 2021, le 30 avril est en train de se dérouler. Le 17 mai 2040 est en train de se dérouler en même temps. Ce n'est pas après que ça va avoir lieu. Ça a lieu en même temps. Ce sont des réalités parallèles. Ça veut dire que nous sommes en 2021. C'est comme s'il y a plusieurs voies. Okay? Nous sommes sur l'autoroute. Il y a quatre voies. Donc, moi, je suis sur la voie 1, mais l'autre est sur la voie 2, l'autre est sur la voie 3, l'autre est sur la voie 4. Et puis, nous roulons ensemble. C'est la même chose avec la théorie de la réalité parallèle. Donc, nous sommes en 2021. Nous avançons. Hermann Quadio de 2022 est en train de vivre. Maintenant, en même temps. En même temps, il y a, laissez-moi lire, non, Yabissadé Jérémie est en train de vivre maintenant, 2021, mais il y a Yabissadé Jérémie de 2025, là, qui vit en même temps que nous. C'est des réalités parallèles. C'est un peu bizarre, non? Pendant que nous sommes en 2021, Roland de 2030 est en train de vivre en même temps. Donc, ce sont des événements qui se déroulent à la fois. Pas après. Ça, c'est la théorie de la réalité parallèle. Et est-ce que c'est biblique? Oui, ça s'explique dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que souvent, en tant que prophète, nous sommes en train d'exercer le ministère. Et puis, vous allez entendre l'homme de Dieu dire, voici ce que Dieu me montre. Je vois telle chose. Nous sommes en 2030. Voici l'image. Je vois que tant, 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 tant. L'homme de Dieu qui décrit ce qu'il voit en 2030, comment c'est possible de voir quelque chose qui n'existe pas encore? Alléluia. Comment c'est possible de voir quelque chose qui n'existe pas encore? Si le prophète te dit, bon, quand je dis le prophète, je parle de l'homme de Dieu en général, s'il te dit, je vois, souvent nous parlons en prophétisant, on dit, j'entends, Dieu me dit qu'il va faire. Ça, c'est le futur, on parlera de ça la semaine prochaine. Mais souvent le prophète te dit, l'homme de Dieu te dit, je vois telle chose, je vois ton mariage. Nous sommes en septembre 2022, je vois ton mariage, je vois telle couleur, je vois tel vêtement. Et puis tu vas lui dire, oui, c'est la couleur même que j'ai prévue pour mon vêtement. Comment l'homme de Dieu voit quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Comment l'homme de Dieu voit quelque chose qui n'existe pas encore? En fait, il réussit à le voir justement parce que ça existe déjà. L'événement là existe en même temps, mais dans une autre réalité qu'on appelle réalité parallèle. Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu bizarre. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Je ne sais pas si. Est-ce que ça te fait du bien d'écouter le futur? Apocalypse chapitre 1, verset 1. Écoutez, il y a tout dans la Bible. Je n'invente rien. Le surnaturel est dans la Bible. Porte les lunettes du surnaturel, tu verras. Je veux rappeler qu'il y a prière de nuit tout à l'heure à 0h30. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous sommes dans l'Apocalypse. Les choses qui doivent arriver bientôt. OK? Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Descendons au verset 9. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Verset 10. Je fus ravi en esprit. Je vous ai dit que décoder le futur fait partie du pouvoir de l'esprit. Donc, si ton esprit est développé, il n'y a pas de souci. Tout ça là, c'est facile pour toi. Tout ce que j'enseigne là, si ton esprit est développé, tout de suite,
Je t'informe, je te donne l'information de ce que ton esprit est capable de faire. Et puis tout de suite, ton esprit commence à le faire. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Verset 11. Ce que tu vois, l'ange lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Nous sommes en l'an 80 ou 90 après Jésus-Christ. Jean, son esprit étant développé, on a parlé de ça, le pouvoir de l'esprit. Jean a la capacité, son esprit est capable de faire des choses. Il est ravi en esprit. Et puis l'ange lui dit, ce que tu vois, écris. Donc Jean est assis et puis il voit des événements. Puis j'ai vu un trône. Puis j'ai vu ceci. Puis j'ai vu cela. Il voit des événements et il est en train d'écrire tout ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit là, ça se déroule en même temps qu'il est en train de regarder. Pendant que Jean parle, pendant que Jean écrit, Jean voit le film se dérouler. Et vous allez voir que quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu te demandes, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est... On ne sait pas à quel temps, parce que souvent il dit, puis j'ai vu un cheval qui est apparu. C'est comme si c'était au passé. Pourquoi il ne dit pas, j'ai vu un cheval qui paraîtra? Parce qu'il sait très bien que c'est dans le futur. On lui a dit, écris ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, Jean peut dire, j'ai vu un cheval qui viendra, qui va apparaître. J'ai vu un cheval blanc qui va apparaître. J'ai vu un esprit. J'ai vu le pouvoir qui sera donné à cet ange-là de faire du mal au tiers de la terre. Il pouvait mettre toutes ces phrases au futur. Mais il y a des phrases qu'il ne met pas au futur. Il conjugue ça au passé. Il dit, j'ai vu l'ange faire ceci. J'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Donc, il parle comme si c'était au passé. Pourquoi? Parce que Jean a vu la scène se dérouler. On appelle ça la réalité parallèle. Le futur se déroule en même temps que le présent. Donc, si ton esprit est développé et que ton esprit travaille, tu as la capacité de regarder le film de ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ça se déroule. Ça, c'est la première théorie. Et donc, je vais expliquer en quelques minutes le déjà-vu, parce que c'était un thème que je devais traiter à part, mais j'ai profité parce que ça s'explique dans ça. Le déjà-vu, c'est quoi? C'est que souvent, il t'arrive que tu es en train de vivre une scène et puis tu t'assois, tu dis, oh, j'ai déjà vécu ça. Et généralement, le déjà-vu commence par un petit vertige. C'est-à-dire, tu sens que ta tête tourne un peu et puis tu vois la scène. Et c'est que tout le monde a déjà vécu ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu? Si tu as déjà vécu le déjà-vu, marque ton nom. Le déjà-vu. Donc, c'est comme si ta tête tourne un peu et puis tu vois la scène. Mais ça, là, j'ai déjà vécu ça quelque part. J'étais avec lui, j'étais avec Herman, on était ici, on était à tel endroit. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve. Il y a des personnes que tu croises. Et puis tu es convaincu que tu le connais. Et lui aussi, il est convaincu qu'il te connaît. Mais vous ne vous connaissez pas. Tu as fait Azopé? Non. Bon, si ce n'est pas Azopé. Tu as fait Kinshasa? Non. Bon. Bon, est-ce que tu étais en Allemagne à telle période? Non. Est-ce que tu étais en Belgique? Non. Est-ce que tu étais en France? Non. Mais on se connaît où? On ne sait pas. Mais nous deux, on est convaincus qu'on se connaît. Pourquoi? Théorie de la réalité parallèle. C'est le pouvoir de l'esprit. Donc ton esprit qui vit, parce que l'esprit là, il ne change pas. C'est le même esprit. Le corps vieillit, le corps change. Mais l'esprit est intemporel. Nous sommes dans le pouvoir de l'esprit. Ton esprit est intemporel. Donc, pendant que tu es en 2021, ton esprit a déjà vécu dans la théorie de la réalité parallèle. Ton esprit a déjà vécu quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez que quand des situations de la vie arrivent, on dit, oh, Jean nous avait déjà dit. Mais comment Jean a fait? Jean a vécu ça. D'accord? Donc, ton esprit a déjà vécu quelque chose. Et de temps en temps, ça te fait le flash. De la manière dont ton passé revient, de temps en temps, ce que ton esprit, dans la théorie de la réalité parallèle, ce que ton esprit a déjà vécu il y a 3 semaines, de temps en temps, hop, les deux réalités se confondent. Donc, l'esprit de Herman de 2000, de 2022, quand j'arrive en 2022, il me fait un flashback et puis je dis, mais j'ai déjà vécu ça. En fait, je n'ai jamais vécu. C'est mon esprit qui a déjà vécu la scène dans la réalité parallèle. Le déjà vu. Voici l'explication biblique du déjà vu. Voici l'explication surnaturelle du déjà vu. Ton esprit a déjà vécu la scène. Et généralement, je vais vous donner, nous sommes dans le pouvoir de l'esprit. Quand ton esprit te ramène ce truc-là, ce n'est pas en vain. En fait, c'est parce que nous ne maîtrisons pas. Mais maintenant que je parle du déjà vu, si tu commences à maîtriser, généralement, quand moi, ça commence à m'arriver, je m'assois et puis je dis, oh, je sais ce qui va se passer. Donc, tout de suite, le déjà vu fait maximum 2 minutes. Ça ne dépasse pas. Le déjà vu, c'est maximum 2 minutes. Tu vas vivre la scène en 2 minutes, mais ça commence par un tout petit vertige.
un tout petit vertige, comme si la terre tournait, puis paf. Mais j'ai déjà vécu ça. Tout le monde, au moins une fois, a déjà vécu. C'est la réalité parallèle. En fait, effectivement, ton esprit a déjà vécu ça. Mais quand il te ramène, c'est un peu comme dans le sixième sens, c'est pour te donner une information. Donc, quand souvent ça arrive, je sais que les 2 minutes qui viennent là, je me souviens exactement des 2 minutes qui vont suivre. Amen. Pas que je l'ai déjà vécu physiquement, mais dans la réalité parallèle, mon esprit l'a déjà vécu et mon esprit me ramène ça pour quelque chose. Donc, ça veut dire que dans les 2 minutes, il y a quelque chose que j'ai dit que je ne dois pas dire. Il y a quelque chose que je ne dois pas faire. Il y a quelque chose que je dois changer rapidement parce qu'on me ramène le futur pour que je puisse me préparer. Le futur arrive pour mon présent. Donc, si je suis en train de vivre un déjà vécu, un déjà vu, c'est pour quelque chose. Si ton esprit est bien réveillé et que tu comprends le fonctionnement du déjà vu, tout de suite, à partir de maintenant, quand ça va commencer, quand tu vas sentir ce petit vertige, les premières images du déjà vu, si tu maîtrises maintenant, ton esprit va tout de suite te faire le film des 2 minutes qui vont suivre. Donc, tu sais qu'après ça, lui va dire ça. Lui va faire ça. Ah, ok. Donc, moi, je ne vais pas répondre comme ça. Pour tout de suite, tu as le film. Tu sais comment agir. Ça ne te surprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici l'explication de la théorie du déjà vu. Plutôt, oui, du déjà vu. Parce que je devais faire de ça un enseignement à part. Mais j'ai profité pour mettre ça dans cette première, ce premier volet de décoder le futur. Alléluia. Le temps qui nous est donné est imparti. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je commencerai par le déjà vu parce que c'est avec ça que je m'arrête. Je vais vous expliquer, parce que je vais parler du déjà vu dans le thème d'écouter le futur. Je ne vais pas faire de ça un sujet à part. Donc, je vais vous expliquer quand le déjà vu se manifeste parce que ça fait partie du futur. Mais ça s'explique par la théorie de la réalité parallèle. Retiens que quand on dit réalité parallèle, ça veut dire que pendant que nous sommes le 29 avril 2021, pendant que tu es en train de vivre ça, faut savoir que le 30 avril 2021, demain, est déjà en train d'être vécu en même temps. 2025 est en train d'être vécu en même temps. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ce que toi, tu appelles futur se vit en même temps que ton présent. Et donc, tu as la capacité de voir. Parce que ça se vit en même temps, ce n'est pas après. Parce que quand on dit le futur, on pense que c'est quelque chose qui va se dérouler plus tard. Non, la scène a déjà lieu. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple d'Apocalypse. Il a regardé tout le film de la fin des temps. Daniel a regardé tout le film. Mais on regarde un film parce que ça a déjà eu lieu. Donc, si aujourd'hui tu crois Daniel, Daniel va te dire, oui, Daniel de la Bible, hein, il va t'expliquer que, oui, moi je sais, la marque de la bête, l'Antéchrist. Peut-être Daniel, lui, connaît la figure de l'Antéchrist. Il a déjà vécu la scène. C'est comme ça. Pourquoi? C'est une réalité parallèle. Amen. Donc, comme je disais, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par le déjà vu. On va commencer là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de parler de décoder le futur. Je veux croire que ce message t'a fait du bien. Alléluia. Je vais t'expliquer, avant de basculer sur la deuxième théorie, parce que nous avons deux théories que nous allons voir. Et puis, nous allons terminer par qu'est-ce que je fais du futur? Pourquoi je dois le connaître? On a vu, Jacob dit, venez vous asseoir, je vous dirai ce qui arrivera. Qu'est-ce que je fais du futur? Quand j'ai l'information, qu'est-ce que je fais? Il y a trop de mystères dans le futur. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je veux croire que ce message t'a fait du bien. Continue de partager. Invite des personnes à venir suivre. Parce que, par exemple, le phénomène du déjà-vu intrigue toute l'humanité. Tous les scientifiques, les neurologues ont fait des recherches pour comprendre. Seule la Bible peut expliquer le déjà-vu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés sur la théorie de la réalité parallèle, qui signifie que le futur se vit en même temps que le présent. En même temps, pendant que je suis là, le futur est en train de se dérouler en même temps. Donc, si je suis un surnaturel, je peux voir, parce que ça se déroule en même temps. Ça, c'est la première théorie. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je rappelle à tous les surnaturels, à toutes les surnaturelles, que nous avons rendez-vous tout à l'heure sur le coup de 0h30 minutes. Shalom, depuis chez toi. Que l'Éternel te bénisse. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer.